sont crevés par le voyage? Non, ça va, on a juste un peu soif. Je te présente Manu. Bonjour. Adrien m'a beaucoup parlé de vous. C'est bien cette musique, ça donne envie de danser. Je suis fou de ce garçon. Oh, tu dis ça à chaque fois. Cette fois, c'est pas pareil. Je me suis toujours demandé si ça existait des flics homo. Pas à ma connaissance, non. Une mère qui aime son enfant n'utilise pas de boule caisse. Le para n'est pas d'accord. Le médecin non plus, d'ailleurs. Peut-être qu'on pourrait décider d'être fidèles tous les deux. Non, Mélie, je t'aime trop pour ça. J'ai besoin d'aller voir ailleurs. C'est comme ça que je suis heureuse. Vous laissez passer les enfants de moi. Allez, on se rejoint à la brigade et on traîne pas. Bon, écoute, Adrien, j'ai pas envie de te mentir. Je vois Mehdi. Je le vois tous les jours. Je comprends pas comment ça tu le vois. Mais je vais pas te faire un dessin quand même. Mais ça te conduit où tout ça? À niquer tout le monde? Tu me reproches quoi exactement? Tu respectes rien. On a surtout besoin de te parler tous les deux. Non mais pourquoi tu m'as rien dit? Tout le monde vit dans le mensonge, t'es bien placé pour le savoir. Ce que t'as sur le torse. Bah pourquoi tu dis rien? J'ai pas la gueule quand même. Quand même, ça te gêne pas qu'il couche avec des garçons? Qu'il me trompe avec un homme ou avec une femme, non, j'ai pas de préjugés. J'ai pas l'intention de faire des reproches. Dans ce que t'es en train d'écrire, là, tu parles de Manu et moi. Je fais ça pour témoigner. T'as pas le droit de faire ça. Tu crois pas qu'on devrait faire la paix tous les deux? Je suis pas sûr que ce soit possible. On pourrait quand même essayer.